Podcast livre Les sept portes de l'Apocalypse, le tome 1 La croisade des Carpates de Vanessa et Diana Calico. Présentation du roman. Le titre en VO est La croisade des Carpates. Il a été publié en France en 2014 aux éditions Le Héron d'Argent. Je lui ai mis la note de 4 sur 10 et le conseille aux personnes à partir de 17-18 ans. Quatrième de couverture. Comment réagiriez-vous si, au lieu de mourir, vous vous trouviez projeté dans le corps d'une jeune aristocrate du 15e siècle, promise à Vlad Dracul? C'est ce qui arrive de nos jours à Eva, étudiante en littérature, qui est poussée dans une faille volcanique par le linguiste qu'elle voulait retrouver. Celui-ci, possédé par l'esprit d'un légat du pape de Dracul, n'a que ce moyen pour sauver les deux époques de l'Apocalypse. Commence alors pour Eva une étrange quête qui doit la mener à comprendre pourquoi, au XXIe siècle, une étrange maladie ravage le monde et au XVe, de monstrueuses créatures surgissent au cœur du Danube. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je remercie tout d'abord la maison d'édition pour ce service presse. Le résumé étant assez fourni, je n'en dirai pas plus. Les personnages principaux que sont Eva et Dracul sont très différents. Eva est une jeune femme qui fait une thèse sur la fin du monde et l'apocalypse, sujet qui la passionne. Elle va se retrouver dans une histoire de quête rocambolesque. Dracul, quant à lui, est un homme qui a vécu de nombreux siècles en arrière, qui a beaucoup de responsabilités. J'ai bien aimé les émotions qu'il dégage. Les personnages secondaires, et il y a beaucoup de monde, ce qui m'a perdu. Je ne savais plus qui était qui faisait quoi. L'écriture des deux autrices est recherchée, on sent qu'elles savent de quoi elles parlent. L'intrigue est pour moi un peu complexe. J'ai eu du mal à rentrer à l'intérieur. Certaines scènes sont violentes et pleines de sang. Je me suis sentie très mal à l'aise. La fin est bien, mais je ne lirai pas la suite du récit. En bref, une lecture très très mitigée. Je remercie encore une fois les éditions Le Héron d'Argent pour l'envoi. Extrait du livre. Empli de chaque état le pamphlet envers ces gens qui la menaçaient de leur banalité, et la jeune femme s'était dit qu'elle cautionnerait avec joie une campagne de stérilisation efficace, visant la suppression à moyen terme des éléments les plus bruyants qui la cernaient quotidiennement. J'ai aimé l'écriture et la fin. Je n'ai pas aimé les personnages, l'intrigue et les scènes violentes. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !